Yo tout le monde, c'est Stéphane Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dégustation. La dernière vidéo, la précédente, voilà, où j'ai goûté le burger de Shizo Burger, vous a plu. Eh bien aujourd'hui, on va aller tester un autre burger au 31 Street Burger à Paris. Alors personnellement, je connais déjà ce burger, je sais ce que ça vaut. Et pour moi, ce sont les meilleurs burgers que je n'ai jamais mangés. Je suis sur Paris en compagnie de Lilian 31 et Yekaze qui sont encore en train de dormir. Il est 13h, eux ils dorment encore les gars, c'est ça. Quand tu fais des prestats, des OP, ça n'arrive pas à suivre. Ça tient pas la cadence les gars. Non, je plaisante, je vais leur emmener les burgers. Ils vont pouvoir goûter ça, je vais prendre des menus à emporter. On verra ce qu'ils en pensent. Mais pour moi, croyez-moi, comme dirait le frérot Yekaze, c'est du burger masterclass. Voici à quoi ressemble la devanture du restaurant le 31 Street. Eh bien écoutez, on va aller commander ça tout de suite. Le 31 Street de l'intérieur, bonne petite ambiance. Là-haut, vous voyez tous les menus. Donc là, pour le coup, j'ai commandé 3 burgers chèvres avec frites maison, cheddar et bacon. Je pense qu'il y a moyen de se mettre plutôt bien. Alors pour ceux qui se demandent, c'est un restaurant halal. Pour tous ceux qui veulent les informations du 31 Street Burger, vous les retrouvez ici. Vous avez même le numéro de téléphone et vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Snap, Instagram. Voilà, j'ai les fameux burgers. Maintenant, je me dirige à l'hôtel pour aller rejoindre Yekaze et Lilian afin de leur faire découvrir ça. Parce que oui, on était en prestation pour le Téléthon Gaming. Vous avez sans doute dû nous voir sur les chaînes YouTube respectives de Lilian et Yekaze. Maintenant, reste à savoir s'ils sont réveillés. Ça, c'est encore autre chose. Wesh, c'est bon, j'ai une tête. Oh, merci, ça fait plaisir. Entre monsieur. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Ça fait pas plaisir. Allez, vais... entre dans cet antre magnifique qu'est cette chambre totalement illuminée. J'espère que je suis. Le gars, il est bientôt 14h quand même. Ah bon? Franchement, on est mort. Voici les burgers donc emballés. Hein. Vous voyez, plutôt bien emballés. Voilà. Il y a également les coca, la valeur sûre. La valeur sûre ou pas? Masterclass, ça fait plaisir. La chose intéressante, c'est qu'il y a des petites sauces avec, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai tout déballé. Donc ici, dans ces boîtes, on retrouve les frites avec la sauce cheddar et du bacon. Voilà, alors là, vous vous dites, mais comment on va manger ça avec les doigts? Ils sont intelligents, il y a des petites fourchettes qui permettent de piquer. Les gars, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Avec ce fromage coulant, ce morceau de jambon, cette frite. Yekaze, viens goûter ça. Comment il a fait ça? Vas-y, viens goûter, viens goûter. Mais après tu me demanderas comment il a fait ça. Mais goûte, frite maison, bacon, jambon, cheddar. Ah, je te jure, j'ai jamais goûté ça. T'as vu? Je te jure. Voilà, ça est. Tu vois comment il mange là. Tu vois comment il mange. Direct. C'est pas de la frappe. C'est pas de la frappe, franchement. Incroyable. Incroyable, je te jure. Regardez-moi ça. En fait, les gars, pour vous décrire le goût, il y a. On sent le bacon fumé avec du cheddar, la frite maison et la cuisson des frites. Les gars, c'est. C'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop bon. Bon, maintenant, on va s'attaquer au burger. Le burger, bon, moi, les gars, moi, je connais déjà. Je sais que c'est super bon. C'est surtout Yekaze et Lilian qui ne connaissent pas encore. Bon, regardez déjà à quoi ressemble la texture du burger. On est sur un pain brioché maison avec du bacon, un steak haché frais, des oignons crispy, de la sauce, du fromage. Les gars, c'est... Oh les gars, c'est violent. Oh, c'est violent. Ouais. Oh. Il me donne trop envie là. Oh, c'est violent. Oh, c'est violent, les gars. Faut... Oh, prends le téléphone, j'ai faim. C'est violent. Prends le téléphone, j'ai faim. Ah ouais, toi, t'arrêtes même pas. Hey, il arrive même pas à retirer sa bouche des frites cheddar bacon, frère. Tu sais que t'as le burger aussi. Hein. Ouais. Non, mais là, il est bon. Hein. Là, il est bon, ouais. Ça a l'air. Ça, Ça, c'est pas mal. Lilian, ça y est, là, il s'est joué au combat. Là il sent l'odeur et tout. Il dit, ouais, ça a l'air lourd. C'est vrai que ça donne envie. Ah, ça donne envie. Ah, tiens, là, la première bouchée de Lilian. Frites, du coup, avec un peu de. Frites maison, cheddar, bacon, avec un goût fumé. Ok. Rien à voir avec le cheddar que t'as à Burger King. Ah, bah oui, rien à voir. Rien à voir. Archi bon. Ah, ouais, le croquis d'ami, lui.
Tu valides? Il n'arrive même pas à parler, Thomas. Il n'arrive même pas à parler. C'est violent ou pas, là? Ouais, là, franchement, ouais. Mais bon. C'est vrai que le steak a l'air mastoc de ouf. Hein. Mmh. Ah ouais, non, mais c'est le steak, le pain brioché. Ah ouais, là, c'est... Pas bon. Ah, ouais. Valide. Valide masterclass. On a vraiment un burger de haute qualité. Tous les ingrédients en fait se marient bien entre eux. Franchement, les gars, là c'est pour moi, entre tous les burgers que j'ai pu manger, c'est celui-là le best. C'est celui-là le best, le 31 Street. Alors Lilian, verdict. Écoute, je suis à la moitié du burger. Franchement, pour le moment, il passe tout seul. Ça, ça passe crème. Bon. Ouais, ça passe crème, clairement. Ah ouais, ça, c'est des vrais bouchées. Hein. Ouais. C'est des vrais bouchées. Ah, on se régale, là. On se régale. On en profite. Non, il est super bon, clairement. Le steak, il est pas sec. Le pain, il est brioché. Il passe super bien aussi, le moelleux. Au top. J'ai jamais vu un homme jouer à FIFA debout devant une télé. Y'a pas le choix, t'as vu la télé? Bah, avec les keys, c'est possible. Mais non! Voilà, mes chaps, ce qu'il fait! Zéro, frère. Non! C'est la zone. Et bien voilà les amis, on a mangé ces fameux burgers du 31 Street. Franchement, un délice. C'était grave kiffant. Le frère Royer Clay, ça y est. Là, la machine est lancée. La machine est lancée. Lilian, voilà, il se met en mode beau gosse dans la salle de. Je vais marquer. Ouais, lui, il est en train de jouer à FIFA, il est à fond dedans. Bref, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse. N'hésitez pas également aussi à faire un tour sur la chaîne de Yeclays et de Lilian. Si voilà, vous kiffez Dragon Ball en tout genre, non, je pense que vous les connaissez de toute façon. Non, vous les frère, connaissez, c'est sûr. Marqué, voilà, comment il a marqué, voilà. Mort je t'avais dit quoi, ça commence. Voilà. Voilà on connaît FIFA par cœur, les gars. Bref, les amis, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Comme d'habitude, la passion passe après les priorités. Ciao! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.